Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord, la question des profits réalisés grâce au vaccin contre le Covid. Ensuite, les révélations sur le soutien financier du groupe Total à la junte militaire birmane. Enfin, les émeutes populaires et leur répression en Colombie. Le magazine Forbes publie cette semaine la liste des acteurs du secteur de la santé qui se sont enrichis cette année grâce au business lié à la pandémie. Ce secteur compte désormais 50 nouveaux milliardaires pour qui l'année 2020 a été celle de l'entrée dans l'opulence. On y trouve pêle-mêle le PDG de la firme allemande BioNTech qui produit le vaccin Pfizer avec une fortune de 3,3 milliards d'euros, le PDG de la société Moderna avec une fortune équivalente, le PDG de la firme italienne Stevanato produisant les flacons des vaccins avec une fortune de 3 milliards d'euros, le PDG de la société canadienne Abcellera produisant des médicaments à base d'anticorps avec une fortune de 2,4 milliards d'euros. Alors que la pandémie a déjà fait plus de 1,7 million de victimes sur la planète, selon l'OMS, elle est pour certains une source de profit immense. Dans le même temps, comme nous l'avons souligné dans une émission précédente, les demandes de l'Inde et de l'Afrique du Sud de libérer les vaccins de leurs brevets restent sans réponse. Malgré le soutien de nombreux pays du Sud, de la Chine et de la Russie d'une part, et la pression de nombreuses ONG d'autre part, les vaccins et médicaments liés au Covid restent encore aujourd'hui régis comme une marchandise et une source de profit. Cuba a été le premier pays à annoncer qu'il rendrait libre l'accès à ces vaccins dès que ceux-ci seraient au point. Cette échéance prévue pour cet été suscite un véritable revirement de certaines grandes puissances. Les USA annoncent être désormais pour, alors qu'ils étaient opposés jusque-là à une telle mesure. La France et l'Union européenne font de même. Ce revirement ne doit rien à une prise de conscience de la part de ces États. Elle correspond simplement à la crainte que soient visibilisées les conséquences de la gestion capitaliste de la santé. Il sera en effet difficile de continuer à soutenir l'éclosion de milliardaires du Covid, alors que simultanément, les vaccins cubains seraient offerts gratuitement à l'humanité. Déjà l'année dernière, le spectacle des brigades de santé cubaines venant aider les personnes de santé de l'Italie, du Mexique, d'Haïti, d'Afrique du Sud, du Niger, etc. était venu démontrer l'efficacité d'un système de santé quand celle-ci n'est pas considérée comme une marchandise. Le traitement médiatique des brigades de santé cubaines fut pour la plupart des grands médias l'occultation et le silence. De même aujourd'hui, on nous présente l'idée de neutraliser, au moins provisoirement, les brevets liés au Covid comme étant celle de l'humanisme des États-Unis. Décontextualiser une information revient à désinformer. Le coup d'État en Birmanie du 1er février 2021 a suscité une révolte populaire qui fut réprimée dans le sang, avec un bilan de déjà 1000 décès et des milliers de blessés. Immédiatement après les débuts des répressions sanglantes, un groupe d'ONG comportant entre autres Attaque France, la Ligue des droits de l'homme ou les Amis de la Terre ont exigé de l'État français qu'il contraigne Total à déposer sur un compte bloqué les paiements prévus au gouvernement birman pour l'exploitation du gazoduc Yadana qui relie le gisement de gaz de Yadana à la Thaïlande. Ces ONG dénoncent en particulier le fait que des millions de dollars parviennent ainsi dans les caisses non pas de l'État birman, mais dans celles de la société Myanmar Oil and Gas Enterprise, le groupe pétrogazier contrôlé par les militaires putschistes. Cette pratique mafieuse en Birmanie n'est pas isolée. Dans un livre publié en 2017, intitulé « De quoi Total est-il la somme ?», Alain Deneau résume comme suit les méthodes de Total. Comploter, coloniser, collaborer, corrompre, conquérir, délocaliser, pressurer, polluer, vassaliser, nier, asservir et régir. Si le colonialisme, sous sa forme directe, c'est-à-dire celle de l'occupation militaire, n'est plus la forme dominante, elle a été remplacée par une autre plus insidieuse, moins visible, plus indirecte, mais tout autant destructrice. L'annonce d'une nouvelle réforme fiscale en Colombie a suscité une révolte populaire massive. Cette réforme prévoit en effet une hausse de la TVA sur les produits de première nécessité, qui est, rappelons-le, le symbole de l'impôt injuste et inégalitaire. Elle prévoit également une extension de l'impôt sur le revenu à des catégories jusque-là exemptées en raison de leurs faibles revenus.
Depuis le 28 avril, travailleurs, paysans, étudiants, peuples indigènes manifestent chaque jour et sont sévèrement réprimés. On compte ainsi déjà 24 morts, 850 blessés et de nombreux disparus. Comme dans de nombreuses révoltes populaires, il convient de distinguer le déclencheur et la cause. Si le déclencheur est ici clairement la réforme fiscale, la cause réelle est en revanche les politiques néolibérales dominantes qui paupérisent massivement et rapidement les classes populaires et les couches moyennes. Les manifestants ne s'y trompent pas. La revendication exigeant l'abandon de la réforme fiscale a rapidement cédé la place à d'autres liées à l'accès à la santé, à l'éducation, au refus des violences policières, à la répartition des richesses. L'ampleur de la révolte n'a d'équivalent que la faiblesse de la surface médiatique qu'elle occupe dans nos grands médias. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous avons bien pris note des demandes suite aux émissions précédentes. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.